Ah, elle est là ou pas la nouvelle caméra? Salut à tous les amis. Bon, aujourd'hui on est en plein test parce que c'est ma nouvelle caméra. Par contre j'ai pas de micro dessus, donc dites moi si le son il passe ou pas comme ça. Sinon vous allez être obligé de m'en acheter un, je crois. Je plaisante, hein, bien évidemment. Pour les gens qui n'auraient toujours pas compris qu'il faut prendre mes vidéos au second degré. Ici je suis habitué à tout faire seul, donc si le son ça va pas, t'en fais pas, c'est Bibi qui paye. Comme d'hab quoi. Bon, aujourd'hui c'est détente, on est vendredi, c'est bientôt le week-end. Donc du coup pour fêter ça, je vous sors une vidéo inédite sur YouTube. Je vais réagir à certains commentaires de mes vidéos. Pour tous les gens qui ont l'habitude d'écrire plagiat en commentaire sans même savoir ce que c'est du plagiat, allez-y, faites-vous plaisir parce que je suis pas le premier à faire cette vidéo. Je te jure, la dernière fois j'ai sorti une vidéo à 16h30 et à 16h30 et 20 secondes, il y a un mec qui l'écrit en commentaire plagiat machin. Mais frère, t'as même pas eu le temps de voir ma vidéo, qu'est-ce que tu dis? Bon, vas-y, on va commencer avec le premier commentaire. C'est parti. Enlève ta casquette, Nico. Eh, doucement le soleil là. Alors ça, c'est le genre de commentaire que je reçois 50 fois par jour, que ce soit sur Snap, sur Insta, sur YouTube. Énormément de gens se demandent s'il y a des cheveux en dessous de cette casquette. À vrai dire, même moi, je sais pas. Depuis que je suis né, j'ai jamais retiré ma casquette. Peut-être que j'ai que la petite touffe qui dépasse ici. Promis, si un jour j'atteins les 100 000 abonnés, je retire ma casquette. Eh, j'ai dit ça comme si c'était l'événement de l'année. Cool comme d'hab, t'as compris le jeu de mots? Ouais, j'ai compris le jeu de mots. D'hab comme d'hab, quoi, c'est ça. Eh, on dirait moi qui fais une blague. C'est chaud, mon gars. Ah oui, le commentaire il est pas fini. Après, il m'a mis. Mais ta blague, elle était si drôle que ça pour avoir cette réaction? Tu pourras pas avoir d'enfant si tu montes pas ta coupe. Donc là, je lui demande juste pourquoi je peux pas avoir d'enfant si je monte pas ma coupe. Et il me dit, parce que tu peux être chauve. En gros, pour lui, les chauves ne peuvent pas avoir d'enfant. Et si, regarde Barthez, tu connais Barthez. Tu sais, l'ancien gardien chauve de l'équipe de France, il a des enfants. Bah voilà. Je comprends pas le raisonnement, en fait. Quelqu'un peut m'expliquer ou pas? Maxime Sky, il a 15 ans, alors chute. Il a 14 ans, Maxime. Il a 16 ans. Eh, hey, je suis d'accord pour que vous fassiez les haineux dans mes commentaires, y'a pas de souci. Si vous avez pas de vie, c'est votre problème. Mais au moins, mettez-vous d'accord, soyez sûr de ce que vous avancez. Mec, franchement, je te jure, tes vidéos, elles sont trop bien. Tu donnes le sourire, je me suis abonné y a pas longtemps, tu gères, gros. Continue comme ça. Voilà, c'est ce genre de commentaires que j'aime et que je mérite de recevoir. Vous savez pas, je travaille dur sur mes vidéos. Bon, après, s'il y a des critiques, du moment qu'elles sont constructives, ça me gêne pas. Mais les commentaires du style, ferme ta gueule, ça te pédé, tu fais la merde. Bah, c'est pas gentil, les gars. Mais bon, j'en parlerai après de ça. Juste pour vous dire, Max, c'est pas un enfant, il a 14 ans. Mais à 14 ans, t'es quoi en fait? Moi, je crois, si je me souviens bien, à 14 ans, j'étais un enfant. Ouais, j'étais un enfant. Après, ça a peut-être évolué, je sais pas. C'est vrai que là, tu me poses une colle. Hashtag pas comme eux. Elle est où la team pas comme eux? Eh, hey, mais les gars, arrêtez de mettre ça dans toutes mes vidéos, sérieux. On dirait une campagne marketing. In the Kitchen, il vous a payé ou quoi pour mettre ça partout? Vous savez quoi? On va se venger. Moi aussi, je vais trouver un hashtag. Attends un peu. Bon, maintenant, si vous êtes des vrais, vous allez écrire dans toutes les vidéos des autres youtubeurs. Hashtag, tu me reconnais? Je suis venu là parce que je croyais que t'étais beau. En fait, non, mais c'est marrant, donc je m'abonne. Oh, l'orthographe, il pique les yeux. Non, tu m'as pas piqué, tes propos me touchent pas. Moi, je suis pas là pour vous plaire, hein, je suis juste là pour vous divertir. Je l'adore, Maxime Sky, et toi, tu es un gros bâtard et connard. Aussi, mais par contre, toi, ça va, t'es une grosse bâtard. Je t'avoue que j'ai pas tout compris, mais j'ai saisi le message que tu voulais me faire passer. C'est le fait que je sois un connard et un bâtard. C'est ça, non? Merci à toi. C'est de la merde. Mais c'est super constructif, ça. Je te remercie. Allons voir ta chaîne pour voir si je peux te retourner le compliment. Et aujourd'hui, on se retrouve avec mon frère parce que l'accident est arrivé à lui. C'est pas vraiment un accident, mais ça fait un peu mal. Et donc là, il va vous montrer la blessure. Ouais. En fait, ça ressemble à ça. Et Emilie va vous raconter comment ça s'est passé. Ouais, je vais vous montrer la blessure en plus grand. Putain, mais elle ose dire que mes vidéos c'est de la merde. Bon, après t'es une gamine, on t'en veut pas. C'est ça, ouais, avec sa tête là. T'es un gros porc, lui Maxime au moins, lui il fait pas son beau comme toi, Cassos. Bah voyons voir tes vidéos aussi. Don't judge me challenge en 2017. Attends, sérieusement là? Peut-être tu l'as refait à ta sauce, montre ce que ça donne. Staring at two different views on your window. Le problème, c'est que c'était assez gênant, quoi. Par contre, dis pas que je suis un gros porc, je fais du sport quasi tous les jours, c'est grave insultant ce que tu dis là. Putain, mais le soleil, il rend ouf, là, la qualité d'image, elle est dégueulasse, je suis désolé, les gars. Nicolas, c'est toi qui fais les pires pranks. Attends, mais il a vu ma vidéo polystyrène prank avant de parler, lui? C'est un des meilleurs pranks que j'ai vu sur YouTube en France. Et quand je dis ça, je suis très sérieux. Si t'as toujours pas vu la vidéo, je te la mets en description, tu verras. Je vais pas faire le suceur, mais gros, tu mérites tellement plus d'être connu. T'es un des youtubeurs les plus sous-cotés de YouTube. Non, t'es pas un suceur, t'es simplement réaliste. Avouez, je suis sous-coté, non? Non, en tout cas, merci pour ton commentaire. Tu parles, mais t'as quel âge? 18, 19 ans? Bah, j'ai 22 ans, voilà. Arrête de gueuler, wesh. J'ai pas de micro sur ma caméra, c'est pour que vous m'entendiez bien. Si t'es pas content, baisse le son. Pas mal la vidéo, pense à bien te mettre au milieu du cadre. Ah pardon, comme ça c'est mieux?
Tu fais le foot à 20 abos alors que eux ils en ont largement plus. La prochaine fois renseigne-toi avant de faire ton grand. En plus tu me saoules avec ta tête de soumis. Mais ils croyaient vraiment, je savais pas combien ils avaient d'abonnés Maxime Sky et Kylian avant que je fasse la vidéo sur eux. Il est con quoi celui-là. Voyons voir, t'as combien d'abos toi? Ah 16, ça va, tu peux te permettre de parler. Tes vidéos sont cool, t'es le sang et surtout trop beau. Bah voilà, y'a des gens qui me trouvent beau, putain, ça fait plaisir. Je reprends confiance en l'humanité là. Jusqu'à ça met des cadenas verrouillés. Je trouve que tu critiques un peu trop, mais bon, c'est ton choix. Je critique pas dans mes vidéos, j'analyse, c'est différent. Kylian il a 75 000 abos, pas toi. Et là, un de mes abonnés lui répond: Nicolas il a un vrai montage, pas Kylian. Punchline, tu crois on joue ici? Nous aussi on a une team, t'attaques, on contre-attaque direct. Imberbe, lol, t'as menti là, j'ai des poils, fais pas genre tu vois pas. Mais maintenant tous les youtubeurs mettent une casquette. Doit-on parler de plagiat ici? Je ne sais pas. Putain mais mec, je viens de te découvrir aujourd'hui, je trouve que t'es grave sous-coté alors que tu fais des vidéos de qualité comparables à des vidéos de bons youtubeurs. Et oui, un jour le YouTube Game découvrira mon potentiel et ce jour-là, bah je gagnerai peut-être quelques abonnés. Maxime Sky est-il ton petit frère? Maintenant passons au moment que vous attendiez tous, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, à savoir si Maxime Sky est mon petit frère ou non. Effectivement, beaucoup de choses pourraient nous amener à penser que oui, on porte des casquettes tous les deux, on porte des lunettes, on porte des sweats avec des capuches, on est brun et on a tous les deux du mal à s'exprimer par moment. Attention, je cache pas, j'analyse. Mais malgré toutes ces ressemblances, j'ai le regret de vous annoncer que non, Maxime Sky n'est pas mon petit frère. Je sais que beaucoup sont déçus, mais vous en faites pas, vous allez vous en remettre. Bon, après avoir vu les commentaires des abonnés de Maxime Sky et de Kylian, voyons ceux des principaux intéressés. On va commencer par Kylian. Ah Nicolas, tu m'as clashé vite fait, mais rien de mal. Je te jure, je rigole trop devant tes vidéos, mon frère. Franchement, continue, t'iras loin. Au passage, j'ai lâché mon pouce bleu. Oh putain, merci, il a compris. Au moins, il est plus intelligent que certains de ses abonnés. L'humour, c'est art que peu de gens arrivent à comprendre. Passons aux commentaires de Maxime. C'est plus court, mais ça prouve que même lui a bien pris la chose. Donc tous les petits là qui viennent faire les chiens de garde en dessous de ma vidéo dans les commentaires, c'est vraiment quand je lis les commentaires que je vois que certains ne savent vraiment pas quoi faire de leur vie. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si t'as kiffé, lâche un maximum de pouces bleus, partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, partage.